Salut les prodigues, nous voici pour le résumé de la dernière guerre de clans qui vient de s'achever sur une victoire 52 à 46 face à une équipe British adulte qui était de notre niveau cette fois avec un beau matchmaking. Alors le résultat est peut-être un petit peu sévère, mais on va l'expliquer par la suite. Donc au niveau du matchmaking, on avait des adversaires complètement à notre niveau avec 3 HDV11 comme nous, un HDV10 de plus chez eux. Mais ils avaient 3 HDV7 en bas, donc vraiment un niveau équivalent. Seule différence, c'est que leurs deux premiers joueurs avaient des héros maxés ou presque, 40-40 et 13, et le second était 40, maxé à 100%, 40-40 et 20. Donc voilà, donc un matchmaking qui était très équilibré. Au niveau de la guerre, on a fait de la différence sur le milieu et bas de tableau, mais également sur le haut cette fois, avec donc les deux premiers qui étaient relativement intouchables avec des gros villages, des tours de l'enfer level 4. Mais Junior nous a ragé leur numéro 3, un HDV11. Le 4, 5, 6, on a fait 2 étoiles dessus. Et après, les deux derniers HDV10, le 7 et le 8, ont été rasés par Clément et Micton. Donc 2 HDV10 de rasés, un HDV11 de ragés. Déjà, c'est quand même intéressant. Après, les HDV9 ont été rasés pour la plupart par des HDV9 aussi de notre côté. Donc c'est aussi un très bon résultat. Donc on voit Tonio, RMX sur celui-ci, on a eu un petit peu plus de mal. Mais après, on a encore du Tonio, Mickey, Coco, Captain. Donc voilà, donc... On a rasé les HDV9 et les HDV8 également ont été rasés aussi par des HDV8. On voit du Chonch, Mouyoumed, Mike X, Cosmic et Loïc. Donc en plus rasés par des joueurs différents. Donc vraiment un très beau résultat. Et je pense que cette fois-ci, on peut dire que le 52-46, donc les 6 étoiles d'écart, ne sont pas dues en fait à nos adversaires qui ont raté leurs attaques, mais vraiment dues à nos belles attaques. Puisqu'on a vraiment fait de très bons résultats en rasant tous les HDV9 et les HDV8 et même un HDV11 et un HDV10. Deux HDV10. Voilà, donc au niveau des attaques, donc Junior est attaque héroïque et c'est mérité en rasant un HDV11. Et Micton, défense héroïque. Voilà, donc on a rasé 15 de leurs 20 villages, donc vraiment un très très beau résultat. Merci à tous et à bientôt.